Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis en ce dimanche, jour de chance ou de malchance les amis, on verra, on n'a encore pas gratté donc on peut pas savoir les amis, on vise le million ou le million 500 000 ou au pire les 500 000 les amis aujourd'hui, le million 5, le million ou les 500 000, on vise gros en ce dimanche, j'espère que tout le monde va bien, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à 26 septembre, dont Nartox. Nartox, profite bien de ta journée, kiffe bien ta journée, et voilà, tous ceux qui sont nés à 26 septembre, grosse dédicace à vous les amis, voilà, tout simplement, ou tous vos amis qui sont nés à 26 septembre. Donc, on a aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, un cash numéro 2, un millionnaire numéro 13 les amis, ça va être très sympatoche, et un mission patrimoine, j'espère que Stéphane Bern ne va pas nous berner aujourd'hui, numéro 17 les amis, numéro 17, c'est parti. J'espère que la vidéo de hier vous a plu entre Dame Ginette et Bernadette. Merci encore à elle d'avoir participé à ce défi. J'espère que vous avez kiffé. Et merci Bernadette d'avoir participé, ça fait plaisir. Mais rien. Ah bah attends. Avec plaisir. Normal. Ça va, déjà rien que là, t'as prononcé plus de mots que dans l'ensemble de la vidéo d'hier, là, Bernadette. Déjà rien que là. Les amis, je regratte avec la petite pièce qu'ils ont grattée hier, Dame Ginette et Bernadette. On va voir si ça a porté chance. Dédicace à Ludivine, merci pour cette belle pièce. Hein, et dédicace à Notre-Dame, hein, c'est ça, c'est Notre-Dame. C'est parti, les amis, on y va. J'arrête ma flûte. Attends, il y a un full zoom, là, c'est un truc de ouf. Un zoom de ouf. Là, je vous mets au cœur du grattage, les amis. Je sais pas si ça sera bon pour vous. Dites-le-moi en commentaire. Allez. Jouez avec modération et espérons qu'on va faire de l'oseille. Oh, t'es trop gentil, Malo. Ça va en forme? Tu passes un bon week-end, mon ange? 32, 8, 21, 14 et 24. Allez, on peut le faire. On peut le faire, les amis. 40, 13. J'espère qu'on va pas être bredouille. C'est risqué. J'ai jamais fait ce type de grattage, je crois. Enfin, avec ces tickets-là. Dites-moi si c'est mieux. Enfin, non, vous pouvez pas me le dire. On n'est pas en live, les amis, mais c'est pas grave. Ça doit être pas mal. Alors, 28, 36. Rien du tout, Bernadette. Pour l'instant, c'est le chemin de la bredouille. Mais ça veut rien dire. Je sais pas comment faire pour bloquer ça. Tant qu'il y a du grattage, il y a de l'espoir. Oh là, ça aurait fait du bien. Là, c'était combien? 100 000 boules, imaginez, ça aurait fait du bien, les amis. Le 35, plus que du bien, même. Le 35 perdant, 0 boules dans la besace pour le moment. Allez, on enchaîne avec bah, le millionnaire. Hein. C'est rare que je fasse pas le millionnaire en dernier, mais comme on a un ticket plus cher, hein, grâce à Stéphane Bern, cette histoire, les amis, va-t-il nous berner? Millionnaire numéro 13. Oh, joli, joli, joli. C'est parti. Allez, j'espère que le gain sera joli aussi. Enfin, qu'on aura du gain, quoi. Soleil, clé, arc-en-ciel. Ah, j'ai cru quoi? Ça ressemblait, mais non, c'est le fer à cheval et le collier. Mon cerveau a bugué, comme d'habitude. A bugué? Oui, a bugué. Tu peux plus bouger. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Tu peux plus parler alors pas. Ah, d'accord, pardon. Ok, je parle pas, pardon. Jamais. Les amis, rien du tout ici. On va quand même pas faire une belle bredouille en ce dimanche. En plus, j'ai bien choisi ma session. Le dimanche, j'ai souvent la poisse. Mais pas tout le temps. On a déjà vu des beaux dimanches quand même. Parce que Bernadette, tu sais c'est quoi le dimanche à Bamako? C'est jour de quoi? Tu sais? Tu sais Bernadette? Le 50, le 10, le 20, le 150, le 100, on n'a rien du tout. Merci en tout cas pour tous vos nombreux messages les amis. Tous vos soutiens. J'ai pas répondu à tout le monde et même je réponds très 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 peu en ce moment les amis avec le travail et tout. Mais merci pour tous vos messages de soutien les amis, vos beaux petits messages sympatoches. Et tiens, en pensant à ça, The Chevalier Phoenix, j'ai pas oublié ton message effectivement. J'avais dit que Bernadette pour son gage devait normalement vivre une journée comme moi. Tu sais, j'ai dit que par rapport à ton gage, tu faisais le défi face à Dame Ginette et tout. Donc c'est toi qui gratte exclusivement et ta sœur t'accompagne, elle est gentille de t'accompagner. Mais en fait, c'était pas ça l'histoire, tu te rappelles? Tu devais manger tout comme moi dans ton truc. Tu devais manger toute la journée comme moi. Et aussi, donc gras, les amis, assez gras. Donc vous auriez bien rigolé. Et aussi faire la session aussi. Voilà, tout simplement. Faire. Donc Chevalier Phoenix, on se fera ça un coup. On se fera ça avec la Bernadette. Bon, on n'a rien, j'y ai cru. Moi, je vois 7, je me dis, c'est bon, on va le battre. La besace, la Spielberg, la besace, la Spielberg, la Spielberg, la besace. Spielberg avec une besace dans la main. Les amis. Et non, c'est perdant millionnaire. Il a beau avoir le numéro 13, ça veut vraiment rien dire. C'est le hasard, c'est le cas de dire. En même temps, on est dans le thème du sujet.
On est dans le sujet du thème, les amis. Alors, c'est parti, on termine avec celui-là. J'espère que Stéphane Bern ne nous bernera pas aujourd'hui, les amis. Je vous dézoome tout ça, voilà, on est bon. Allez, c'est parti, allez. Dernière fois qu'on a gratté ça, on avait fait une Spielberg. Je ne l'avais pas annoncé, mais c'était une Spielberg, les amis. On avait gagné une Spielberg. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles à qui, là, comme ça? C'est pas bien, ça. Allez, des clés, de la clé, de la clé, de la clé. Oui, 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 ça commence mal. Oui, 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 ça commence mal, cette histoire, les amis. Ça commence mal. Ah oui, et le multiplicateur, j'avais oublié de gratter, mais c'était bien un fois 1. Tous ceux qui n'ont pas lu sous la vidéo, je l'avais mis en commentaire, j'avais épinglé le message. C'était bien un fois 1. Vous savez, on avait gagné sur le dernier mission patrimoine que j'ai gratté. Donc, c'est quand j'avais fait les 6 plus gros tickets de la FDJ, les amis, 65,5 €. Ce n'est pas la dernière vidéo, c'est l'avant-dernière. Et j'avais oublié de gratter le multiplicateur, donc effectivement, ça aurait pu être une somme sympa. Il y avait une possibilité. Et au final, c'était x1. Donc, je suis allé chez le buraliste juste après. Donc, c'est pour ça. Sinon, je vous l'aurais gratté en direct. Mais le ticket était déjà encaissé, en fait, les amis. Voilà, voilà. Vous saurez tout. 0, 0, 0, 0. Ok, 0 boule dans la besace. On continue. On a 2 clés. Allez, il y en manque 4. Il y en manque 4. La clé du coffre de la FDJ. La clé du coffre de Stéphane Bern, les amis. Va-t-il nous berner une énième fois? Dédicace à lui d'ailleurs. 3. 3 clés pour l'instant. 3 clés. Allez. Après, si on fait 6, moi ça me va. 3 et 3, 6. Bernadette Bernadouille. En ce moment, ça nous porte bonheur ce ticket. Bernadette Bernadouille. On a le 6. C'est 6 en moins. Puisque entre le craps où il faut faire 7 sur le Vegas. C'est 7 sur le Vegas qu'il faut faire? Ouais, 7. Ici où il faut faire 6. Voilà les amis, voilà voilà, on a gagné. On n'est pas bredouille aujourd'hui. Et c'est minimum 15 boules. Minimum 15 boules. On n'est pas bredouille. On n'est pas bredouille. On est. Oh, et on a déjà 5 clés, les amis. Il manque une seule clé. Une seule clé, les amis. Et là, cette fois-ci, ça serait minimum 30. L'attente, 150 500. C'est perdant. Oui, les amis. Ils me disent de gratter ma tante, mais si ta tante, elle habite loin, Bernadette, on fait comment? On fait comment pour la gratter? Alors, les amis, une petite clé et ça gagne. Une clé et ça gagne. Donc là, il n'y a pas de clé. Par contre, si vous retrouvez le symbole jumelle sous la case numéro 6, vous remportez directement 30. Mais comme on a déjà un gain là, logiquement, on ne devrait pas avoir de jumelle. Sinon, il faut additionner. Là, les amis, là, franchement, j'aurais mal à la tête. Il me faudrait des doliprane. Je ne comprendrais plus rien si on a des jumelles. Je ne comprendrais plus rien. Et on a un seul gain. On a un seul gain, mais ça peut être tout. Mais ça peut être aussi 15, malheureusement. Que si on verrait une sixième clé, on aurait vu une sixième clé, c'était de sur minimum 30. Tout est possible. Comme les 1 500 000 sont possibles aussi, sur ce ticket numéro 17. Ah bah alors là, ça sera la fête. Alors attends, une clé, deux clés, c'est ça, hein? 3 clés, 4 clés, 5 clés. On n'a bien que 5 clés, il en faut 6, hein, on est d'accord. C'est tous une histoire de 6 aujourd'hui. Stéphane Bern kiffe le 6. Il y a 6 jeux, ici il faut faire 6, ici... il faut 6 clés. Les amis, dites-moi pourquoi le 6 d'ailleurs. Pourquoi c'est le 6 qui ressort beaucoup, hein? Est-ce que le 6 a un rapport avec le patrimoine, les amis? Dites-moi en commentaire, je ne sais pas trop. En tout cas, avant de gratter la 15-15, j'en profite, les amis, puisque je sais que vous êtes nombreux à regarder cette partie de la vidéo. La battle des régions associatif caritatif, les amis, pour la SPA et pour l'UNICEF. On va se gratter plein des tickets qui viennent de tous les départements. Dommage, je ne me suis encore pas imprimé la feuille, mais je fais un point cette semaine. On a reçu des tickets de 25 départements différents. On a déjà un quart, Bernadette. On a à peu près 500 € de tickets, pas loin. Je crois peut-être à peine plus de 500 € de tickets de reçus déjà. Et entre les promesses plus les reçus, je pense. Et donc, on est sur 25 départements, mais ils sont pas tous complets. C'est-à-dire que dans tous les départements, on n'a pas du 1, du 2, du 3, du 5 et du 10 €. En tout cas, merci pour votre participation. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, donc vous retrouvez facilement l'adresse. Hein, l'adresse, c'est Toflawin. Non, c'est quoi? Si, c'est Toflawin, BP 60-281-70-006. CEDEX, les amis. Et je pense qu'on va mettre la date limite au 30 octobre. 31, il y a 31 jours en octobre, Bernadette. À la fin de l'October Challenge. Comme ça, après, on fait le point en novembre et on se remet une date pour faire ce gros live associatif. Tout est reversé aux associations, les amis. Tout, 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 tout. Oui, j'embête. Là, je suis en train d'embêter, Bernadette, ceux qui veulent voir ce qu'il y a derrière la case gain. Je suis en train de les saouler. Mais ceux qui sont intéressés par la battle des régions, je les saoule pas. Et donc, du coup, voilà, on se grattera tout ça. Donc, tout est reversé, même la monétisation de la journée là, c'est-à-dire tous les dons qu'il y aura sur ce live, toute la monétisation du jour là où on fera le live sera reversée entièrement à ces deux associations à part égale. C'est parti, les amis, j'arrête ma flûte et on gratte.
avant que la vie nous gratte. Ah, Bernadette, s'il te plaît, pas 15. J'espère que j'ai pas fait tout ce discours pour 15. J'espère que j'ai attiré le gain. Il y a un multiplicateur aussi, faut pas oublier. 15 boules dans la besace, Bernadette. Mais attends, on peut faire x2. Le x2, le x2. Parce que ça existe jusqu'à combien, le x? Il y a x10. Est-ce que vous avez déjà vu x10? Ça ferait 150. Oh, imaginez, ça existe, multiplicateur x10? Dites-moi en commentaire, les amis. Ça ferait un lot à 150. x10. x2. Allez, au pire, le x2. Le plus probable, c'est le x2. Enfin, c'est le x1, mais j'espère le x2. Ah, c'est un x1, les amis. Dites-moi si le x10 existe, mais ça doit être rare, ces tickets avec x10. Au moins, je serais la FDJ, je l'aurais mis le x10, parce que le lot 15 existe. Donc, du coup, on a 15, on se dit j'ai 15, et d'un coup, on voit un x10, ça fait plaisir. Ça ferait zizi, hein, les amis. En tout cas, on n'est pas bredouin, on récupère la moitié de notre mise. Zizir, plaisir. Les amis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, on vise minimum les 500 pouces bleus sur chaque vidéo, et les 1000, ben c'est la cerise sur le gâteau, si on arrive à 1000 les amis, à chaque fois c'est la cerise sur le gâteau, mais 500 pouces bleus, je suis très content, vous me soutenez énormément, c'est très sympa à vous les amis, et n'oubliez pas de vous abonner, c'est que ceux qui sont encore pas abonnés, et on approche Bernadette, j'ai mis le sondage de l'October Challenge, moi je mise sur le méga mot croisé cette année, méga mot croisé, je vais gratter 60€ de chaque ticket, 26 tickets, on a enlevé, j'ai enlevé volontairement le tous deux avec l'équipe de France, le objectif pognon, donc le objectif maison, là je l'ai enlevé aussi, de toute façon il va disparaître aussi, ben il y en a peut-être d'autres que je vais gratter qui vont quand même disparaître, mais voilà j'ai fait un petit choix, et j'ai enlevé également, c'est lequel l'autre objectif pognon, tous derrière l'équipe de France, et le qui veut perdre son pognon, qui veut gagner des millions, celui-là, faut pas se moquer, on l'a enlevé. Le kit ou double sera, le boost sera inclus, sera compté dans voilà, par rapport à l'année dernière, sera compté dedans. 60€ de chaque ticket venant de 4 buralistes différents, ça change cette année, il faut que ça vienne de 4 buralistes différents les tickets, peut-être que voilà, on aura peut-être plus de chance, on verra. Et donc moi j'ai misé sur le méga mot croisé, le millionnaire sera le dernier ticket qu'on grattera, donc le 26e ticket. Avant, peut-être, ben, s'il est qualifié, puisque le millionnaire, je vous rappelle, il a gagné face à Nefertiti l'année dernière, l'October Challenge 2020. Il l'a remporté face à Nefertiti, trésor des pyramides. Et big up aussi au solitaire, Bernadette. Ticket à 2€ qui avait fait partie du top 4. Il avait régalé le solitaire, il avait fini dans le top 4 de l'October Challenge. Malheureusement, il n'avait pas accédé à la finale, mais il s'était bien battu. Et donc, le millionnaire, on se le grattera en dernier parce que c'est le dernier vainqueur, c'est normal. C'est donc, comme ça, on saura combien qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir éventuellement prétendre à la finale. Donc, il y aura 6 millionnaires, forcément. Et parce que c'est des tickets à 10, voilà. L'émission patrimoine, il y en aura 4, parce que c'est des tickets à 15, etc., etc., les amis. En tout cas, j'espère que ce concept va vous plaire. L'année dernière, il avait fait fureur. Cette année, je pense qu'il va encore faire beaucoup plus fureur, parce qu'on avait misé 30, là, on mise 60. Donc, ça veut dire que les vidéos vont durer un peu plus longtemps, qu'il y aura plus d'enjeux, peut-être plus de bredouilles, peut-être plus de bénéfices. On sait pas, on verra, les amis. En tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche. Une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Toff la win. Ah, tu veux dire quoi? Ah, en vidéo, tu veux dire? Vas-y, c'était quoi, mon ange? Pardon, je t'ai même pas laissé parler. Mais non. Bah, tu sais quoi, pour le truc, tu iras le dire sur ta chaîne. Tu sais, t'as une chaîne, la Win Family. Là, peut-être que c'est mieux, parce que normalement, tu dois pas faire trop d'apparitions sur ma chaîne principale, tu vois. On n'est pas dans le domaine. Sur ta chaîne, on est dans le délire, la Win Family. Ok? C'est ça que tu voulais dire? Non, c'était pas ça, c'était quoi? Ou Karen, il fait la tête. Les amis, je vais passer un sale quart d'heure, il fait la tête. Je crois que... Voilà. Enfin bref, prenez soin de vous. Très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Toff la win. Malo, tu dis la fin ?